Bon, alors, bienvenue Luc. Le temps était cordial et amical entre les deux hommes. Et c'est avec Jean-Pierre Gralet à ses côtés que Luc Ravel a rencontré et répondu aux questions des journalistes. À 59 ans, ce polytechnicien de formation, qui était jusque-là évêque aux armées françaises, prépare la transition et se confie sur son parcours. Parabole l'a rencontré pour vous. On l'écoute nous parler tout d'abord de ses origines et de son enfance. J'ai des grands-parents, pour une part, qui sont des îles de la Réunion et des Antilles. Donc, en fait, je suis un peu un sang mêlé avec une maman provençale, mais un papa donc, qui porte du sang de trois continents dans ses veines. Avec une éducation essentiellement en région parisienne, papa militaire, marié tard, et donc j'ai pu me fixer pour mes études secondaires en région parisienne. Je suis né moi-même à Paris. Et euh, troisième d'une fratrie de sept enfants, trois frères, trois sœurs, toujours euh, très proches de moi. Il y a cette rencontre avec un membre de ma congrégation, de cette abbaye de l'Ardèche. Là, c'est une nouvelle découverte pour moi, complète. L'Ardèche m'était totalement inconnue. La vie religieuse n'était connue que de l'extérieur. Et j'entre euh, à 24 ans chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, dans une congrégation presque naissante, qui, qui naît en 1968. J'ai surpris d'ailleurs beaucoup de monde par ce choix euh, adulte de me déterminer pour la vie consacrée, la vie religieuse. D'autres m'attendaient sur une vie plus classique, merveilleuse, mais de laïque, engagée dans l'Église et dans le monde, hein, voilà, dans l'industrie par exemple. Je me préparais à travers le pétrole, j'avais fait une formation dans le pétrole, à m'inscrire dans ces grands groupes pétroliers. Et puis je crois que le goût du bonheur a été plus fort, le goût de la liberté, ce sentiment que la pauvreté serait pour moi la, 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 la route de ma vie chrétienne. Je rentrais avec beaucoup d'enthousiasme dans cette congrégation et je pensais y terminer mes jours. Voilà. La nouvelle vie d'évêque aux armées, c'était non seulement des responsabilités autres, au plan ecclésial un épiscopat c'est un grand service mais ce sont des responsabilités gigantesques mais en plus un changement existentiel profond il m'a fallu plusieurs mois avant de me dire bah ben voilà c'est normal tu es au service de l'église donc tu te retrouves dans dans paris tu te retrouves dans un petit appartement tu te retrouves à partir à 3h du matin à rentrer à 23h à plus pouvoir chanter ton office avec tes frères c'est ainsi que Dieu le veut Oui, c'est un énorme défi. Hein. Ne parlant pas l'alsacien, n'ayant pas servi non, au plus grand sens du terme dans ce, cet archidiocèse d'Alsace de Strasbourg, je n'avais même pas intégré dans ma pensée qu'un jour je pourrais être à, à, à la tête de ce diocèse. Hein. Je ne vous cacherai pas que j'ai déjà lu l'Alsace pour les nuls, <laughs> voilà, qui est très intéressant. Hein. C'est déjà une référence. Bon, voilà, c'est pas hein. euh... rien. Et, 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 et il faudra maintenant que j'approfondisse les chapitres. À la fois, j'ai tout à apprendre, mais en même temps, je sais que j'aurai à le faire. Je sais qu'il y a des inconvénients, comme toujours, parce que quand on est face à l'administration, euh, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a une lourdeur. Et en même temps, il y a des avantages considérables, moi je trouve personnellement, parce que c'est une pertinence d'abord symbolique. Ça veut dire que je ne suis pas entre l'État et l'Église sur une posture d'indifférence, de vague mépris. Voilà, oui, vous existez, c'est bien, mais enfin, faites pas trop de bruit, voilà, pour dire les choses un peu euh, simplement et de façon imagée, mais nous sommes vraiment sur une posture de reconnaissance réciproque, et je trouve ça passionnant. Nous sommes ensemble dans un même bateau, donc je ne peux pas comprendre, concevoir que ça ne soit pas important. Je suis, nous sommes dans un même bateau, c'est une image, mais qui donne bien ce que j'appelle la solidarité de destin. J'aime beaucoup une petite histoire juive. C'est deux rabbins qui sont dans une même petite barque, et puis il y en a un qui commence à ne pas supporter cette présence et qui fait un, 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 un trou sous sa, sa, son siège à lui. Et, et l'autre qui le regarde dit, mais tu es fou, euh, qu'est-ce que tu, tu fais et, et le premier qui fait le trou lui répond, ce n'est pas un problème, c'est sous mon siège. Voilà. Ça veut dire vous voyez, voilà. Donc on est dans une même barque. Donc euh, euh, on est fait pas simplement pour se supporter. Je, je n'aime pas beaucoup le mot tolérance parce que le mot tolérance bien sûr paraît poétique, mais se tolérer c'est quand même pour moi le minimum syndical. Voilà. On est vraiment fait pour travailler ensemble. Euh, J'arrive les mains vides sans promesse, sans programme, en ce sens-là, je crois que j'aurais n'aurais pas été élu, hein, vous me pardonnerez un petit peu de, de dire avec du, de l'humour, voilà. mais j'arrive les mains chaudes, parce que les mains chaudes, ça veut dire, bah ben voilà, j'ai envie de te serrer la main, quoi, ce contact, euh, que je vais un mot qui j'espère ne choquera pas, « charnel », mais au sens, vous voyez, le verbe s'est fait « cher », c'est de la rencontre, c'est pas simplement du virtuel euh, par l'image, le, le, par, par tout cela, mais c'est du charnel. Alors, qu'est-ce que j'attends des, des Alsaciens Eh bien, <coughs> qu'ils me, qu me pardonnent si, je, si au bout de quelques semaines, je confonds encore leurs prénoms.